C'est fort quand même. Il y a des briques qui servent de bombe. Bon, niveau 1, c'est un niveau qui est assez difficile. Le 2 est un peu plus simple. Bon, j'ai perdu 2 vies, hop, ça pourrait se passer comme ça. Vous remarquez que quand on accélère la raquette, quand la balle arrive sur soi, ben ça dévie, c'est la seule façon de dévier la trajectoire de la balle. Sinon, quand la raquette est statique, ça ne change pas du tout la trajectoire de la balle parce que la raquette est... C'est comme si elle était plate en fait. Donc en fait, ça fait comme des coups de lift en fait, comme au tennis. C'est pas comme dans d'autres casse-briques où la forme de la raquette elle influe sur la trajectoire. Là, la raquette est complètement plate alors. Normalement, je devrais passer ce niveau-là facilement. Alors, c'est un clone de Breaker d'Atari en fait. Non, en beaucoup mieux parce qu'il y a. Si vous prenez la console VCS 2600. Ah oui, c'est beaucoup moins bien réussi que ça. Hein. Titus, ils ont fait des super trucs avec. Oula. Ah zut. Là, c'est bien difficile. Hein. On a deux raquettes là, alors. Quand la balle frappe la raquette du dessous, en fait la raquette du dessus elle est pas elle est comme transparente. Vous voyez? Ça n'agit pas. J'espère que je vais réussir à passer le troisième niveau là. Ah, ça va être bon normalement. Voilà. Je sais pas si celle-là. Non, c'est pas ce niveau-là. Donc en fait c'est vachement bien parce que là, zut, zut, bon bah c'est ta dernière vie que j'ai là je pense. Game over.